qui a toujours compté pour les tsars et pour les secrétaires du Parti communiste de l'Union soviétique par la suite, ça a été l'égalité en termes de puissance, beaucoup plus que l'égalité en termes de prospérité. Là, nous rentrons actuellement dans une mode un petit peu, une bande de temps un petit peu nouvelle. Depuis le moment où Poutine a évoqué la question, les choses avaient considérablement augmenté au cours des années 2000-2010, qui correspondent à une année de forte croissance, enfin une période de forte croissance de la Russie, en tout cas jusqu'en 2008, jusqu'en août 2008. Et par conséquent, deux rattrapages, effectivement, et des États-Unis et des pays européens, tout en sachant d'abord que la Russie, c'est à peu près, en termes de produit intérieur brut par habitant, enfin, du niveau de développement par habitant, le quart des États-Unis, et c'est la moitié de l'Europe. Bon. Alors, il y a bien eu un rattrapage. Il faut simplement dire que le rattrapage était d'autant plus nécessaire que dans les années, la décennie précédente, les années 90, la Russie a connu une expérience très très difficile qui était, et très utile, très salutaire, qui était le passage à l'économie de marché, la dissolution de l'Union, la démocratisation qui a été très très forte en fait pendant la période yeltsinienne. Mais tout ça s'était traduit par un véritable effondrement économique dans les années 90. Et donc ce qui s'est passé dans les 10 années suivantes, jusqu'en 2008 en tout cas, c'est un rattrapage de ce qui avait été perdu dans la période précédente. Et on s'est retrouvé vers 2008 à quelque chose qui était à nouveau la moitié, ou un peu moins de la moitié, du niveau de produit intérieur brut par habitant en Russie par rapport à ce qu'il est en France et par rapport à ce qu'il est en Allemagne. Bon. Depuis est intervenue une crise qui a été notre lot à tous, qui a été certainement plus dure en Russie qu'elle ne l'a été dans les pays européens ou qu'elle ne l'a été en Chine, où il n'y a pas eu d'effet de la crise du tout, ou qu'elle ne l'a été au Brésil. La Russie a perdu 8 points de croissance au cours de l'année 2009. L'Europe en perdait 2 ou 3. Donc l'écart s'est recreusé, au cours de l'année 2009. Et depuis, la Russie revient gentiment. Mais tout ça pour se situer à la fin de 2009. On n'a pas beaucoup de données récentes pour 2010, pour se situer à quelque chose qui est 44 à 45% du niveau de PIB français et allemand. L'Europe joue en fait un rôle fondamental dans la modernisation de la Russie, au moins depuis Pierre le Grand, et vraisemblablement avant ça, c'est-à-dire que la Russie, pour rappeler un tout petit peu et très rapidement son histoire économique, est un pays qui était l'égal de l'Europe dans les années 1100, 1200, 1300, qui a été frappé par un fléau extraordinaire, qui a été l'occupation par les Mongols qui a duré 2 siècles, jusqu'en 1480. Et puis, la Russie a essayé de se réaffirmer en tant que puissance et elle a évidemment essayé de s'affirmer par rapport à ses voisins. L'essentiel de tous les échanges extérieurs de la Russie est porteur de modernisation. C'est toujours fait avec l'Europe. Il y a vraiment une espèce de focalisation des échanges extérieurs de la Russie sur l'Europe qui est tout à fait remarquable. Pour essayer de répondre à cette question, il ne faut pas non seulement essayer d'entrer dans la tête de ce qu'auront à dire M. Poutine ou M. Medvedev, mais tenir compte aussi de ce que nous savons de l'état de l'opinion publique en Russie, où en définitive, ce qui compte effectivement beaucoup, c'est la vie quotidienne, ce sont
les logements, c'est tout simplement les prix et l'abondance relative d'un certain nombre de biens de consommation. C'est les routes aussi. Il y a des histoires, comme vous le savez, en Russie, qui courent tout le temps, en disant, bon, d'accord, on a eu des dachas, et puis on a eu des voitures, mais entre les deux, il nous faut quand même quelque chose, ça s'appelle des routes. Bon, alors il y a un souci populaire et qui est tout à fait conforme à ce que sont les soucis populaires de tous les pays du monde, je crois, à la veille des élections, c'est qu'en définitive, on attend du président qu'il améliore le niveau. Le président, le discours qu'il va tenir, s'adressera peut-être moins aux Russes, en l'occurrence, qu'il ne s'adressera au monde entier, pour pouvoir dire, écoutez, voilà, vous voyez, je parle de moins en moins de puissance, je parle moins de ma stature militaire internationale, de mes conquêtes dans le monde, en montrant que je m'intéresse avant tout à la modernisation, au développement de mon pays. Je fais un acte qui est en même temps, enfin une déclaration qui est en même temps économique, mais surtout politique. Ce que je veux dire par là, en définitive, c'est que je ne suis plus une puissance agressive, je suis un pays qui cherche à se moderniser et donc indirectement à déverser une certaine prospérité sur mes sujets. Il n'y aura pas de programme du genre la grande chimie, la chimisation, comme Khrushchev, il n'y aura pas l'électrification, il n'y aura pas de choses comme ça, mais il y aura vraisemblablement des discours centrés sur les conditions de vie localisables. Voilà.